Pour ce grand rendez-vous, installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. Et voici donc le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui nous donnera son regard si particulier sur ce match. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver. Est venu de découvrir la composition des deux formations. Darren, un petit pronostic, qui sera l'homme du match? Eh bien, Cristiano Ronaldo est sur le terrain, donc je vais dire Cristiano Ronaldo, bien sûr. C'est sans doute le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Espérons qu'il fasse le spectacle encore une fois aujourd'hui. Oui, je crois que les défenseurs qui vont devoir le marquer aujourd'hui seront d'accord avec vous. Et c'est une bonne course, mais au final, ça ne donnera rien. Marco Asensio. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Ouverture vers le poteau de corner. Quelle inspiration! Un bon centre dans la surface. Danger repoussé pour le moment. C'est reparti, ils peuvent contrer. Le bon dribble. Bien joué, ça. Il cherche à le cercle. Le coup de tête! C'est joué long. Vous avez remarqué comme les latéraux montent, Grégoire? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les alliés adverses à redescendre. Plus s'ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent porter de dégâts. Cavani, il écarte le jeu, il est tout seul, il est passé, un bon centre dans la surface, passe interceptée. Sergio Ramos qui a de la liberté, Marco Asensio, Cristiano Ronaldo, avoir besoin de soutien là, Cristiano Ronaldo, à quelques centimètres. Et je crois que le gardien sait qu'il n'était pas sur la trajectoire. Oh, Cristiano Ronaldo, il choisit là-bas, sur l'aile. Allez, ça peut faire mal. C'est bien donné. Oh, l'inspiration! Un autre tir! Il décide d'allonger le jeu. Marco Verratti. C'est bien ce qu'il fait, là. Mais ils peuvent être soulagés. Sans ce mauvais contrôle, ça aurait pu aller au bout. Eh ben, c'est rassurant quand même pour nous. C'est la mi-temps. Les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle. Et nous aussi, d'ailleurs. Le Paris Saint-Germain qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match.
c'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. 0-0, on espère juste voir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période. Et c'est reparti. C'est un match fermé pour le moment. On va voir si ça se débloque dans cette seconde période. Il joue dans l'espace. Oh, faut tirer là. Et que ça va partir vite. Thiago Motta. Long ballon dans le sens du jeu. Cavani. C'est puissant sur l'aile. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Kovacic qui cherche la profondeur. Thiago Motta. Le Paris Saint-Germain qui peut construire. Marco Verratti. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Oh, quel geste! Le bon appel du défenseur. Le Paris Saint-Germain va frapper le corner. Oh, c'est chaud là! Un long ballon vers l'avant. Les attaquants doivent participer à la récupération. Il en est le parfait exemple. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout, on dirait. Il met la tête! Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Cavani, qui est marqué de très très près. C'est un joueur très dangereux. Ils ne peuvent vraiment pas se permettre de lui laisser de l'espace. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il est lancé vers le poteau de corner. Il a centré. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Alors, que va-t-il faire? Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Ouverture vers le poteau de corner. C'est parfait, magnifique. Dans la profondeur. Et la tête. Et ça fait but. Qui d'autre pour réaliser le geste décisif, pour porter le coup fatal? C'est le genre de joueur qui fait des différences et là, en plus, c'est juste avant la fin du match. Il est monté tout en haut du ciel pour la reprendre, celle-là. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête alors que ce n'est pas un attaquant, n'oublions pas. L'entraîneur qui fait rentrer du 109. Oui, il était fini, crevé, carbo, comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. Ils ont pris l'avantage, mais tiendront-ils le score jusqu'au bout? C'est bien joli tout ça, mais quel manque d'ambition! L'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin du match. Dans l'espace! Non, ça manque d'application. Mais attention, le temps file, il faut mieux utiliser le ballon. Le Real Madrid qui effectue donc un nouveau changement. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. Le Paris Saint-Germain qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. Il relance côté droit. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. L'issue de cette rencontre aura été indécise jusqu'au bout, mais à l'arrivée, c'est une victoire par la plus courte des marges. Ce match a donc livré son verdict dans les 15 minutes. C'est déjà fini, on s'est passé trop vite avec la qualité de l'analyse d'un Rennes comme d'habitude. À bientôt, bonsoir.
has no love.